jour J, moins 18. L'année 2016 a coïncidé avec la 12e édition de la cérémonie des corridors et elle a confirmé le statut de référence de cette soirée. Revoyons sans plus tarder les temps forts de la soirée de l'année dernière, mais je peux d'ores et déjà vous assurer que vous allez revivre une cérémonie officielle d'ouverture remplie d'émotions, accentuée par le discours de personnalités de renommée internationale. Nous avons choisi cette année la référence, paradigme expressif d'exemplarité et de valeur. Nous en sommes d'autant plus convaincus que les corridors sont d'ailleurs eux-mêmes une référence. Grâce à un esprit d'avant-garde, d'anticipation et d'innovation, ils sont devenus une institution non seulement au Sénégal, mais en Afrique et dans le reste du monde. Cette prouesse, dont nous nous réjouissons modestement, inspire même des concitoyens. Nous en sommes fiers. Mais les corridors, créés pour célébrer des personnalités connues ou anonymes, qui servent de référence et instituées avec le gradit de la conviction, demeurent exceptionnels parce que se singularisant par leur niveau d'estrade sublime, du haut duquel parle le génie de l'innovation. Aujourd'hui, comme lors des précédentes éditions, cet événement qui nous réunit ce soir pour fêter les meilleurs reste encore une fois un moment privilégié de communion et d'échange sur le devenir et la viabilité de l'entreprise sénégalaise dans un environnement régional et mondial particulièrement concurrentiel et évoluant fondamentalement vers une levée des contraintes de toutes sortes. C'est très facile de dire merci au président Manick Diop, je crois, pour cet événement qui est une réunion absolument fantastique. La première fois que j'y ai participé, c'était l'année dernière, pour recevoir le courrier de l'intégration, qui m'a beaucoup surpris. Et aujourd'hui, je viens pour donner un courrier de la paix. Alors, ceux qui ne le savent pas, je suis avocat, et remettre le courrier de la paix pour un avocat, ça veut dire remercier un représentant ou une représentante des droits humains, de la dignité, de la citoyenneté, de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. Et c'est très important de remettre un prix de cet ordre-là. C'est la fin des comptes à rebours. Enfin, pour aujourd'hui, rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour la cérémonie de remise des prix de l'édition 2016 des Corridors. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.